Eh bien, bonjour à tous, chers invités, chers internautes. Est-ce que tout le monde est là? Voilà, bon, je pense qu'on se connectait petit à petit, n'est-ce pas? Nickel. Chers freelanceurs, chers freelancers, chers partenaires, chers membres et amis de MadaAllStar, et bienvenue à cette troisième cérémonie des MadaAllStar Awards. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être là pour la troisième édition. Voilà, je me présente, je suis Mathieu Delisson et je vais vous accompagner en tant que maître de cérémonie pour cette édition spéciale placée sous le thème « Au-delà des étoiles ». Avant d'aller plus loin, on revérifie si tout le monde est bien connecté sur les réseaux sociaux, hein, pour ceux qui sont en ligne. Si vous pouvez nous faire un petit signe si vous n'entendez pas ou si tout se passe bien, hein, faites-nous un coucou, des petits cœurs, des petits sourires, ça fait toujours plaisir. Et c'est avec une gratitude infinie que nous tenons à remercier nos partenaires qui ont contribué à faire briller cet événement au-delà des étoiles. Avant de continuer, faites-moi un maximum de bruit s'il vous plaît. Allez, faites du bruit. Alors, je pense que tout le monde nous entend et tout le monde vous voit. Nous célébrons donc avec gratitude Portail Phoenix, hein, notre partenaire d'honneur, pour son soutien inestimable à notre association depuis 2 ans, enrichissant notre parcours d'une collaboration transformatrice et internationale. Portail Phoenix, né de la fusion entre Yogami et Yoga Bien-être Marise Le Hou Inc, incarne l'innovation et la bienveillance, unissant des projets ambitieux à travers le monde avec une équipe diverse et dévouée répartie sur 3 continents. Nous rendons hommage à leur esprit visionnaire et à leur engagement profond envers notre communauté qui a grandement contribué à l'épanouissement et au succès des talents malagasy. Applaudissements s'il vous plaît. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous pouvez passer sur leur site, hein, en attendant, ou notez-le quelque part, leur site portailphoenix.com. Nous adressons également nos sincères remerciements à l'agence Blue Ocean, notre partenaire officiel. Leur expertise en marketing digital et en développement web sur WordPress a permis de propulser de nombreux talents malagasy durant toute l'année 2023 vers des missions à l'international. Leur vision tournée vers l'innovation et leur engagement envers la qualité et la satisfaction client sont un modèle pour nous tous. Veuillez les applaudir très fort, s'il vous plaît. Sachez que vous allez applaudir régulièrement, hein, jusqu'à la fin de nos partenaires. Leur site web également, pour information, c'est agenceblueocean.com. Ensuite, une mention spéciale également pour remercier notre invité d'honneur, la société Global Act, la première agence malagasy certifiée Google Ads depuis 2018. Leur expérience et leur expertise en gestion de comptes ads ont été un atout majeur pour de nombreuses TPE et PME à l'international. Et leur approche et leur équipe certifiée Google Partenaire, hein, sont des exemples d'excellence pour tous les professionnels du digital à Madagascar et d'ailleurs. Voilà. Applaudissez-les également très fort s'il vous plaît. Voilà, il se prépare également, hein, le président, il se prépare derrière. Pour le site web, c'est globalact.mg, donc allez-y sans hésiter. J'aimerais maintenant laisser la parole à Dimitri Brouers, l'un des fondateurs et l'actuel président de l'association MadaAllStar, pour nous partager quelques mots sur cette édition spéciale. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît. Bonjour et merci à chacun d'entre vous d'être présent à cette troisième édition des MadaAllStar Awards. Cette année, notre thème est « Au-delà des étoiles », un thème puissant qui reflète le parcours de nos membres, un mélange de travail, de sacrifice, de passion, d'espoir et finalement de réussite. Voyager au-delà des étoiles n'est pas simplement une exploration de l'espace. C'est aussi un voyage dans le temps et peut-être plus profondément encore, un voyage en nous-mêmes. Cela nous pousse à nous interroger. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quelle est notre essence à l'origine? Cette année, je suis particulièrement fier de nos nouvelles fusées interstellaires, nos jeunes freelances malagasy. Leur décollage a été spectaculaire. et nous avons vu une dizaine de nouveaux talents MadaAllStar trouver des missions stables et enrichissantes, notamment grâce au développement continu de notre plateforme de mise en relation gratuite entre les freelances de Madagascar et les recruteurs du monde entier. Félicitons également les 6 freelances MadaAllStar, ils se reconnaîtront, certains sont parmi nous aujourd'hui, qui ont atteint la vitesse de la lumière. Ces freelances qui ont réussi à doubler leurs revenus grâce à leur persévérance et au développement de leurs compétences. Je tiens ici et maintenant à saluer les freelances de notre association, mais aussi tous ceux qui n'en font pas partie. Vous, les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, êtes le cœur battant de notre communauté. Votre attachement à la liberté, à l'indépendance et à nos valeurs est admirable. Et ces valeurs, la solidarité, l'entraide, l'excellence, sont ce qui nous rend tous plus forts ensemble. En ce jour de célébration, rappelons-nous que même au-delà de nos espérances, de nos rêves, il y a cette rencontre essentielle avec nous-mêmes. Nous sommes les étoiles de notre propre galaxie, chacun brillant à sa manière unique. Je vous souhaite à tous une excellente cérémonie et de belles réussites au-delà de 2023 et surtout au-delà des étoiles. Écoutez, on va commencer la remise des prix. Donc, les nominés dans la catégorie meilleur rédacteur-rédactrice SEO sont donc Lili Ramarzon pour son excellente plume et sa maîtrise technique des bonnes pratiques SEO en matière de rédaction dans le cadre d'un projet de production d'articles pour le compte d'un média français spécialisé dans l'univers du yoga. Il y a également Sandy Rakutferinga, nominée donc, pour la 3e fois au MadaAllStar Awards. Sandy est une rédactrice passionnée par les sujets santé et bien-être avec les compétences avancées en optimisation SEO. Et il y a également Sandra Sans, inspirée et rigoureuse. Sandra a continué à développer ses talents de rédactrice au sein de missions SEO complexes et exigeantes. Elle est également nominée pour la 3e fois consécutive. Bon, on va directement découvrir hein, qui va remporter le trophée. Donc, elles sont d'abord nos 3. Elles peuvent se lever juste là où vous levez la main, voilà. Ok. Toujours aussi timide. Okay. Depuis le temps quand même qu'on se connaît. Voilà. Il s'agit donc du roulement de tambour. Il s'agit de Lila Ramatona. Et tu vas devoir parler. Félicitations. Je suis très honorée d'avoir reçu cette étoile qui illumine ma carrière. J'adresse mes sincères remerciements à MadaAllStar et à ses partenaires. Je remercie infiniment Dimitri et Patricia, ainsi que la super team qui m'a accompagnée durant ces 4 mois. Merci. Merci beaucoup, Lille. Ensuite, nous avons les nominés dans la catégorie du meilleur assistant virtuel ou assistante virtuelle. Nous avons Julia Adolphe qui nous a rejoint donc cette année. Hein, elle a été un petit peu appelée par Dimitri tout à l'heure. Nous avons donc Julia Adolphe qui décroche une première nomination, notamment pour sa maîtrise exceptionnelle de la gestion de tâches et de l'organisation auprès d'une de nos clientes située au Canada. Nous avons également Jessica Randrianasolo, première nomination également pour cette jeune adjointe de direction impliquée et minutieuse dans les missions qui lui sont confiées, certes un peu éloignée de son métier de cœur, hein, qui est le développement web, mais qu'elle a su gérer hein, et prendre à bras le corps et le mener à bien. Et nous avons ensuite Zoufandi Yaina Arimbolassou, excusez-moi pour la prononciation. Première nomination pour Sou, donc une assistante virtuelle depuis 2021. Elle a brillamment relevé le défi d'une mission de création de contenu pour une cliente canadienne. Cette opportunité lui a permis de développer encore plus sa créativité. Donc, le ou la meilleure assistante virtuelle 2023, je me suis trompé de côté. Ah, il s'agit de Jessica Randrianasolo. En fait, donc Jessica, elle est absente malheureusement aujourd'hui, mais on ne l'oublie pas justement. Elle a été, on la félicite hein, pour avoir gagné ce lot. Mais ça n'empêche qu'elle nous a comme laissé un petit mot. Hein, voilà. Remerciement de Jessica. Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, nous célébrons un moment particulier, des rencontres, des partages et surtout de la gratitude. En cette occasion, je ne peux m'empêcher de m'inspirer des paroles de Gol D. Roger, légendaire pirate de l'univers de One Piece, qui résonnent comme un ode à mon ami. Et je cite, « La passion et les rêves sont comme le temps, inarrêtables. Rien ne peut les contraindre tant qu'il y aura des personnes prêtes à donner un sens au mot liberté. » Merci à vous tous, merci à ceux qui ont organisé cette cérémonie à laquelle je regrette de ne pas pouvoir assister. Merci à chacun d'entre vous et que cette flamme intérieure continue de nous guider vers de nouveaux horizons de réussite, de bonheur et d'accomplissement. Merci beaucoup. Elle est passe-partout mon assistante, ça fait plaisir. On va appeler les nominés dans la catégorie du meilleur community manager. Hein. Il y a donc Samway Lindiamasou, plus affectueusement connu sous le nom de Sam, hein, qui nous inspire l'éclosion d'un talent community manager multipotentiel, excellent également dans la modération et la relation client et la gestion de salles Zoom pour des conférences, hein, des lives ou encore des ateliers. Nous avons également Mika Ramaravou, oui, devenue une experte dans la création et la publication de contenu pour les réseaux sociaux avec Canva Pro. Mika est nominée donc, hein, pour la seconde fois consécutive dans cette catégorie. Et enfin, nous avons Tatiana Brouers, community manager, gestionnaire de newsletters, chargée numérique et profession de yoga. Et également, Tatiana nous a donc ébloui pour les travaux variés qu'elle a su réaliser avec brio pour le compte d'une entreprise française évoluant dans l'univers des médias et du bien-être. Voyons voir qui remporte le trophée au lama, même si vous êtes tous excellents, hein, sachez-le. Hein. Mais bon, il y en a toujours un qui sort du lot. Il s'agit de... Il s'agit de Sam. Alors, bonjour à tous déjà. Merci pour la voilà mon étoile. Je l'ai enfin au bout de 3 ans et je tiens à remercier l'association. Elle m'a permis d'évoluer, en fait, parce que de base, je suis rédacteur, mais en début d'année, pour la petite histoire, j'en avais parlé à Dimitri, j'ai éprouvé le besoin de varier mes compétences, d'obtenir de nouvelles opportunités, et me l'a donné, et je l'ai saisi, et merci. Keep shining. Et oui, comme quoi, dans la vie, il faut toujours persévérer, surtout qu'on a un objectif au bout. Hein. En général, on arrive quel que soit le temps. Bah, lui, il a réussi au bout de 3 ans. Hein, continue comme ça l'année prochaine. On l'espère, on croise les doigts. Voilà, donc pour la suite, il est nominé dans la catégorie du meilleur développeur ou développeuse web. Nous avons Mme Mikaël Radonarvoun, que ce soit pour son expertise dans le montage de pages avec Elementor Pro, ou dans la création de sites internet complets hein, sur WordPress. Mickaël nous a démontré une année après son premier MadaAllStar Awards qu'il est un exemple de professionnalisme pour la jeune génération des développeurs web de Madagascar qui souhaitent travailler avec des clients du monde entier. Nous avons également Maïef, le fameux Maïef Ernien Ramarav, pour la troisième année consécutive et nominé pour son état d'esprit, son team spirit et son implication infaillible dans plusieurs missions de création et de maintenance de sites web pour le compte de nos partenaires, la société Portail Phoenix et l'agence Blue Ocean. Et enfin, mais pas des moindres, Cédric Ndiamyadz, avec sa double compétence en création de sites web et d'applications, notamment pour un site de réservation et de présentation d'hôtels-restaurants à son jeune âge. Cédric maîtrise des technologies de développement web pointues comme le JavaScript avec React.js, c'est comme ça, et Python. Voilà. Et qui l'emporte? Il s'agit de Cédric. Ah, j'ai tombé dans l'eau. Tu t'y attendais ou pas? Non? Ah ouais, ça tombe bien. Je remercie tout le monde, mais là, franchement, je n'y attendais vraiment pas parce que je croyais qu'il me fallait quand même 2 ou 3 ans pour gagner ma première étoile. Et là, je suis vraiment étonné et très content à la fois parce que ça fait longtemps que je faisais avant cette étoile-là. Et excusez-moi, je suis un peu... Je ne m'attendais vraiment pas à recevoir mon étoile aussitôt. Et je remercie toute l'équipe et toute l'association pour ce merveilleux, magnifique cadeau que j'ai réussi. Ça veut dire que le chemin a été difficile, mais j'ai réussi à avoir ma première étoile. Du coup, merci beaucoup à tout le monde et à toute l'équipe. Encore bravo, effectivement. C'est vrai qu'on quand on s'y attend, c'est sûr qu'on est... Mais quand on ne s'attend pas, mal, ça le fait. Hein. Ok. Jusque-là, ça va? Ok. Maintenant, nous allons voir les nominés dans la catégorie du meilleur graphiste. Nous avons Neil. Ah, coucou, il a la barbe qui a poussé, d'ailleurs. Où est-ce qu'il est? Elle est là. Voilà. Il y a Neil Randrianirina. Je me galère toujours pour ton nom de famille, pardon. Pour son âme d'artiste, son professionnalisme à toute épreuve, pardon, et ses innombrables créations pour plusieurs projets de web design dans toute la francophonie, comprenant notamment la réalisation de sublimes maquettes sur Figma. Nous avons également Vincent Razakaman, nominé pour la seconde fois dans cette catégorie pour ses travaux sur Photoshop et les services d'intégration web design qu'il propose à ses clients. Et enfin, nous avons Neil Randrianirina, première nomination pour ce graphiste, vidéaste et monteur vidéo de génie, qui a notamment signé la bande-annonce de ses MadaAllStar. Par ailleurs, si vous pouvez lever les mains, les trois, donc Nelly... Ok, ils sont tous là. Super. Ça va, pas trop de stress? Ok, donc voici notre... Regarde la boîte. Voilà donc le meilleur graphiste 2023. Attendez, je vous montre, vous allez le voir avant moi. Ah oui, je le vois même là. Eh, c'est Neil. Oui, Neil Randrianirina. Félicitations. Un orateur d'exception également. Si je peux t'inquiéter ton assistant. En fait, je suis un peu surpris de se voir sur cette étoile cette année. En fait, je remercie d'abord ma femme. Je peux enfin dire ça pour la première fois en public. Je remercie ma femme et toute l'équipe, ainsi que tous les graphistes qui étaient nominés avec moi. Donc merci, Merci, et merci pour les parents forts. Applaudissez-le très fort. Le bisou, il est où? Ok, on continue avec les nominés dans la catégorie du meilleur traducteur et traductrice web. Nous avons donc Anzatina Ratilefta Randianarsen, pardon, pour la qualité de sa traduction de fiches produits en espagnol et en italien, mais également pour son esprit d'équipe au sein d'une mission regroupant plusieurs freelances de MadaAllStar pour le compte d'un site rédigé en 5 langues. Bravo. Nous avons également Miura Ndiamyadz pour la qualité de sa traduction de fiches produits en anglais et en allemand, mais aussi pour son excellent relationnel. Donc dans le cadre d'une mission de rédaction de fiches produits à grande échelle. Bravo également. Et enfin, nous avons Arenasu Rabenatouang pour la qualité de sa traduction en allemand et ses progrès remarquables en anglais pour le compte d'un site rédigé en 5 langues aussi, mais aussi pour sa capacité d'adaptation. Bravo également. Où sont-elles? À main levée. 1, 2, et la troisième place. Et il s'agit de... Ah oui, c'est toi qui vas faire le remerciement si jamais c'est elle. Meilleure traductrice 2023. Allez, vous allez découvrir avant nous également. Il s'agit de Anzatina Ratileficha, qui... Oui, voyez, voyez, applaudissez-la très fort. Et malheureusement, elle n'a pas pu être présentée avec nous, mais elle nous a laissé un mot au cas où elle gagnait. Ben, elle a gagné. En tout cas, bravo. Remerciements d'Anzati. Chers amis, collègues et membres de MadaAllStar, c'est avec une immense joie et gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui, bien que je sois malheureusement absente en personne. Recevoir ce prix est un honneur exceptionnel. C'est une surprise et une fierté qui dépassent toutes mes attentes, et je ressens une profonde reconnaissance envers chacun d'entre vous. Je tiens à remercier chaleureusement ceux qui ont contribué à mon parcours, spécialement Dimitri et Patricia. Votre enseignement et votre soutien ont été cruciaux pour mon évolution professionnelle, et je suis reconnaissante de faire partie de MadaAllStar. Un merci particulier à ma famille pour leur soutien inconditionnel. Votre encouragement continu m'a guidée dans chacun de mes pas. Recevoir cette distinction me motive encore plus à continuer à m'améliorer. Merci du bon du cœur pour cet honneur. Je le porte avec fierté et gratitude. Bravo Anzatine encore une fois. Maintenant, nous allons, pas attaquer, mais nous allons continuer avec les nominés dans la catégorie du meilleur opérateur ou opératrice de saisie. Nous avons donc dans la liste Antcha Randiamanarivou pour sa capacité remarquable à s'adapter, pour la qualité des collectes et le nommage d'images, même si son domaine d'expertise initiale était la comptabilité, c'est vrai qu'il y a un gap entre les deux, mais aussi pour ses excellentes qualités relationnelles. Nous avons également Tirsou Rataïr, plus connu sous le nom de Zirs, récemment lancé dans le monde du freelance. Bien que peu bavard, il a su développer sa capacité à gérer et mettre en place un listing de produits pour un site e-commerce tout en les intégrant sur PrestaShop. Ah oui, tu connais ça. Et nous avons également José Richard, Indianirina Rakutunanahar, remarquable par sa polyvalence et son efficacité depuis sa première mission décrochée sur la plateforme MadaAllStar. Richard excelle dans la saisie de données. Il a brillé également dans la réécriture d'articles, la création de tableaux Excel sur la saisonnalité des fruits, les vérifications de sites et également la gestion de données. Voilà, où sont-ils? À main levée, ils sont complets. Ok. Voilà donc le meilleur opérateur de saisie 2023. Il s'agit de... José Richard. Fais ta démarche de ce matin. Félicitations, bravo. Waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je tenais à remercier sincèrement Monsieur Dimitri. C'est grâce à toi que j'ai découvert MadaAllStar, ainsi toute l'équipe de MadaAllStar également, et tous les fans, tous ceux qui sont les réseaux sociaux. Et ben, je ne savais pas que ça fait des filles. Hein. Ben, merci infiniment. J'espère que la prochaine année, j'espère que je là. Merci. J'espère aussi. Oui, l'applaudir chaleureusement. Ensuite, nous avons les nominés dans la catégorie du meilleur manager d'équipe. Nous avons donc en lice Patricia Ratahir, la secrétaire générale de MadaAllStar, excellente manager et maintenant coordinatrice de projet, marketing à l'international. Patricia nous est précieuse pour son accompagnement et ses formations auprès des talents assistantes et assistants virtuels de MadaAllStar. Nous avons également Maïef Ramarav, que l'on retrouve également nominée dans cette catégorie phare des MadaAllStar Awards et qui, cette année, est allée au-delà de ses compétences en développement web pour prendre en leadership et en s'entourant d'une superbe équipe de freelance pour toujours maximiser donc les satisfactions des clients. Et enfin, nous avons Neil également pour Neil Randrianirina pour sa supervision et la qualité de sa relation client. Neil a toujours gardé à cœur d'aider son équipe à remplir des missions exigeantes en termes de délai, de qualité. Et voilà, et ça fait plaisir. Il est répété 2 fois. Meilleur manager. Oula. Elle est en or celle-là. Ouh. Donc, ouh. Ah ouais, on voit. Je l'ai pris à l'envers. En fait, tu devrais me le donner dans l'autre sens. Tout le monde le voit. Bon, vous l'avez deviné, c'est. Maëlle, faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. Là, je le prends à l'envers à chaque fois. Zut. C'est pas une surprise. Pour toi, oui. En tout cas, félicitations et bravo. Il est gagiste, hein. Merci beaucoup à tout le monde et merci surtout à MadaAllStar. Je pense qu'un manager n'est rien sur son équipe derrière. Donc, un grand merci à toute l'équipe, Lili, Vincent, Michael, Dimitri. Et tout. Et que l'aventure continue. Bravo encore à toi, Maïf. C'était ma petite l'autre Monisia. Nefa manager encore bravo. En tout cas, voilà, on remercie en tout cas tous les nominés, gagnés ou pas gagnés, vous êtes tous les meilleurs dans votre domaine. Moi, je vous dis encore une fois, bravo. On poursuit avec les nominés donc dans la catégorie du meilleur freelance 2022, toutes catégories confondues cette fois. Nous avons Lila Ramarzon, nominée pour la première fois dans la catégorie mère des MadaAllStar Awards pour ses réalisations en matière de rédaction SEO en 2023, que ce soit dans le cadre de sa mission pour un site d'e-commerce français sur PrestaShop ou pour un site média sur WordPress. Nous avons également en lice Neil Randrianirina, également une première nomination pour ce talentueux talent graphiste, vidéaste et monteur vidéo, un jeune espoir du freelancing Madagascar qui a intégré l'équipe de l'agence Blue Ocean, où il réalise notamment des stories et des vidéos pour les réseaux sociaux avec une productivité et une qualité de niveau international. Et enfin, nous avons Samway Lindiamasou. Sa capacité à s'adapter à diverses missions et à exceller dans chacune d'elles le distingue comme un freelance hors pair. Sa polyvalence, son engagement et sa créativité lui ont voulu une reconnaissance méritée au sein de la communauté freelance, faisant de lui donc un modèle d'inspiration. Voilà, voilà. Retourne la boîte. Voilà. Comme ça, les gens, ils verront pas. Enfin, vous allez le savoir. En plus, là, c'est écrit en gros aussi, c'est en or. Devinez qui c'est. Attends, où ils sont d'abord? À main levée. Voilà, 1, 2, 3. Donc juste comme ça, d'après vous trois, c'est lequel d'entre vous qui aimerait bien gagner celui-là? Hein? Eh bien, il s'agit donc de Taniouni. Ça vient. On va voir comme tu es, tu vas nous faire un deuxième beau long discours. Encore bravo. Merci. Bonjour à tous. Je prends un peu la parole au nom de l'association et de nos partenaires ici présents pour te féliciter parce qu'effectivement l'année 2023, je pense que tu t'es vraiment ouvert et tu t'es dévoilé en fait en termes de compétences. Donc tu le mérites amplement. Donc en fait, pour te récompenser, nous avons prévu un chèque au nom de MadaAllStar et des partenaires qui ont soutenu cet événement. Donc nous te le donnerons tout à l'heure. Donc nous allons te récompenser avec 500 000 arias. Donc, félicitations, encore une fois. Et ceci étant, je voudrais aussi encourager tous les freelances de MadaAllStar. Ça va être renouvelé encore l'année prochaine, donc vous avez encore l'année qui va venir pour vraiment vous ouvrir un peu plus. Et on vous retrouve l'année prochaine pour d'autres nominés. Ou encore les mêmes nominés. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Nune, et merci, Patricia, et encore félicitations à toi. Voilà, donc tu vas pouvoir investir encore une fois dans tout ce qui est audiovisuel, parce qu'apparemment, elle a du matos. Là, celui qui assure toute la couverture, encore bravo. Bah écoutez, cette cérémonie des MadaAllStar Awards se touche pratiquement à sa fin, donc je vous invite maintenant à prolonger cette journée étoilée avec un cocktail festif, hein. Et c'est l'occasion donc de partager, pareillement, hein, donc de partager, rencontrer, tisser des liens. Pour, entre autres, pour ceux qui ont intégré l'association cette année, donc n'hésitez pas. Voilà, tisser des liens donc encore plus forts au sein de notre incroyable communauté. Encore une fois, merci à tous et que cette journée soit le reflet de notre esprit collaboratif et de notre passion commune pour l'excellence. Merci et à l'année prochaine, comme l'a dit Patricia, pour de nouvelles aventures interstellaires. Bye bye.